Tiens Jean-Claude, viens. On a reçu les moulinets qu'on a fabriqués en France, là, les nouveaux là. Je vais te les présenter. Tu te rappelles en 88, quand j'étais allé en Allemagne, oui. On avait acheté j'avais acheté deux moulinets chez un artisan. Ah oui, je me souviens. Mais d'ailleurs, un pour toi, un pour moi. Oui, mais ah, d'ailleurs, il faudra que tu récupères le tien parce que. Donc tu te rappelles en 88, donc j'avais acheté deux moulinets. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais j'étais tombé en arrêt sur ces moulinets. Où le mec, il avait, c'était Franolic, il avait créé les moulinets démultipliés anti-reverse. Et comme à l'époque, on pêchait beaucoup les grosses truites sur arrière-jardin, j'ai dit ça, c'est le moulinet idéal. Il nous a vraiment servi. Oh là là, j'ai le souvenir. On les a usés, hein, quand tu regardes l'état. Hein. Donc en fait, cette année, j'ai voulu créer un moulinet. Alors ça fait déjà même 2 ans qu'on est dessus, hein, parce que pour créer un moulinet, c'est pas simple. Hein. Mmh. Et le deal, c'était vraiment de faire le moulinet en France. Donc on s'est encadré, j'ai eu déjà des copains qui m'ont un peu aidé, on s'est encadré d'un lycée, donc en plus de ça, on a fait travailler une école, enfin un lycée, qui est spécialisé dans toutes les machines numériques, et on a fait le moulinet, donc là, ils viennent d'arriver, donc je vais te faire voir à quoi ça consiste. Donc l'avantage déjà, c'est qu'il est beaucoup plus large en diamètre, un peu plus fin, un peu plus étroit, donc on a un enroulement de soie qui va mieux aller. Donc toujours démultiplié anti-reverse. Là, quand tu fais un tour de manivelle, tu récupères 3 fois. 3 fois. Voilà, donc il fait 3 tours. Donc là, tu as vraiment une récupération rapide. Et toujours le système anti-reverse. Anti-reverse. Donc le poisson peut partir et toi, tu peux garder la main sur la manivelle. Sur la manivelle. Donc là, il faut se dire que ça, c'est des moulinets, c'est de l'horlogerie. Hein. C'est vraiment quelque chose où on a une pignonnerie. Donc là, on est tout en acier, on va dire, aéronautique. C'est du T6, qui est après anodisé dans une autre entreprise en France. Après, on met le coup de laser dessus pour marquer le Made in France et le nom. Donc en fait, ça, ce genre de moulinet-là, quand tu l'as, déjà, il faut bien savoir qu'il y a un rodage à faire. C'est pas un moulinet simple. Ah oui, oui. Donc quand tu l'as, on va dire, il va falloir qu'il tourne. Et une fois que plus tu l'auras pêché, plus tu auras tourné, il va se faire, il va être de plus en plus fluide. Donc il faut penser qu'au début, alors, il n'est pas dur, t'as vu, il est super souple, hein, mais il le sera encore plus. Il sera encore plus souple. Alors l'entretien, c'est relativement simple. Hein. S'il faut éviter de le tromper dans le sable, bien entendu, parce que là, ça fait avec des crémaillères, ça va faire quand même quelque chose de pas très beau. Mais il est relativement simple d'utilisation, donc simple à nettoyer aussi. Donc je vais te faire voir d'ailleurs comment on le démonte et comment on peut l'inverser aussi de gaucher droitier. Ok. Donc au niveau de... On a dit que c'était tout un acier, on va dire, aéronautique T6. On a beaucoup de pièces inox et tout ce qui est petite crémaillère, on va dire, en laiton. Donc pour démonter ton moulinet, c'est simple. Alors déjà, là, c'est la bague de frein, tu vois. Alors quand tu ne te sers plus du moulinet que tu as fini, tu desserres ton frein. Ça ne sert à rien de le laisser compresser. Là, après, tu sers ton frein. Et là, tu peux pêcher en 8, en 10, en 16, en 18 centièmes. Oui, t'adaptes le pareil, frein. Plus tu vas l'utiliser, plus le frein va être fluide. Ça a besoin aussi de rodage. Mais on va dire que tu as vraiment un frein qui va pouvoir bien travailler. Donc tu peux toujours mouliner, d'accord. Et en fait, le poisson pourra toujours partir. Et tu pourras même continuer à mouliner en bloquant la bobine. Donc là, tu casses beaucoup moins de poissons. Donc c'est vraiment intéressant quand tu pêches fin. Pas forcément des très gros poissons, mais quand tu es en 10 centièmes et que tu as des poissons toniques qui prennent le courant, et ben en fait, ça va partir très fluidement, il n'y aura jamais d'accro. Donc ça, c'est l'intérêt. C'est ce qu'on connaît d'habitude. L'intérêt aussi, c'est d'avoir une pièce, c'est de l'horlogerie. Hein. Donc c'est un plaisir, c'est comme une jante de voiture. Donc c'est ça qui est important. Il faut être passionné de belles pièces. Quoi. Donc pour le démonter, c'est très simple. Tu appuies sur ce petit bouton là, t'appuies et tu sors tout simplement la manivelle. Oui. Là, tu as la bobine qui va sortir.
Donc toi, sur la bobine, il y a encore beaucoup de pièces hein, qui viennent ici. Hein. Donc là, si je te présente le bâti, là, on a des pignons en laiton. D'ailleurs, qu'on s'est permis d'ajourer complètement. C'est pour le poids. Pour le poids, pour le poids mais, oui. Le poids, on gagne pas grand-chose. Ah, là, oui, on gagne un petit gramme. Mais tu veux, et puis c'est aussi pour le design, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Oui, c'est vraiment beau. Donc on a un pignon simple, et là on a un double pignon. Double ouais. Pignon, tu vois, derrière, on a les dentures ici et les dentures ici. C'est tout ce qui va faire la démultiplication. Ouais. Là, on a un système ici, c'est ce qui fait le joli bruit. D'accord ? Et c'est ce qui va nous permettre d'inverser un gaucher et un droitier. C'est cette partie-là. C'est cette partie-là. Ouais, 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 ouais. Donc en fait, tu vois, cette partie-là, il suffit de la retourner complètement. C'est-à-dire que quand tu es branché comme ça, tu seras comme ça. Comme ça. Donc si tu veux, je peux te le faire. Hein. On va le faire. Donc je vais quand même mettre mes lunettes parce que c'est quand même de la précision. Et on n'est pas tout jeune. On n'est plus tout jeune. Donc tu vois, tu enlèves ce cerclipse-là. Donc ça fait cette pièce-là. D'accord. Donc quand tu fais des trucs comme ça, il faut toujours avoir des bons outils. Bons outils genre que tu faut pas plaisanter pour abîmer toute la visserie. Là, tu dévisses cette partie-là. Donc toi, c'est cette pièce-là qui était comme qui ça. Qui était là. Donc là, je vais la retourner. D'accord. Et tu retournes la vis en même temps. Comme je retourne la vis en même temps, je vais enlever ça, comme ça, tu veux, pour le remettre dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Donc là, j'ai inversé les deux. Donc là, je remets ma pièce comme ça. Au lieu de la fixer, elle était fixée ici, là, je la fixe ici. Et en fait, là, simplement, on a inversé le moulinet. Tout simple. Donc là, bien, tu revisses. Non, pas, c'est pas dans l'autre. Non, non. Si. Si, ouais. Tu as raison. Voilà. Et là, tu remets le cerclipse, ici. D'accord ? Donc là, c'est simplement l'emboîter. Normalement, il faut un petit outil pour venir le fixer, mais... Voilà. Et là, ton moulinet est inversé. C'est-à-dire, je remets ma bobine. Toi, j'enlève ma dent. Sur le côté. Cliquet. Je mets ma bobine dessus. Donc là, elle est emboîtée. Et là, tu remets ta manivelle. Tu fais tourner. Et voilà, c'est clipsé. Donc là, maintenant, tu vois, j'ai un moulinet qui est... Oui, tu avais mis le frein. J'avais desserré. Voilà. Maintenant, je mouline à droite. Mm. C'est aussi simple que ça. C'est simple. Mm. Par contre, c'est méticuleux. Avoir les bons outils aussi. Quand on m'en demande un... De le faire toi, de le faire, c'est moi qui le fais et je trouve que c'est mieux quoi. Donc ça maintenant, je vais te faire voir au niveau de la bobine. La bobine, il y a plein de pièces dedans. Donc quand on veut nettoyer l'intérieur, le moulinet pour le lubrifier, il ne faut pas graisser, hein, faut juste lubrifier et très peu lubrifier. Donc là tu dévisses, ça c'est le frein. On a des grands pas de vis. Hein. Là, tu as deux petites bagues qui sont légèrement, si tu veux, tu vois, elles ne sont pas tout à fait droites. Elles ne sont pas plates. C'est ce qui permet d'écraser. Oui, oui. Là, par contre, on peut les mettre dans n'importe quel sens. Il n'y a pas de problème pour le remettre, dire ah, je me suis trompé. Non, voilà. Après, on a une bague. Là, on pourrait la mettre dans n'importe quel sens, mais je préfère quand même que la partie la plus large soit en bas. Voilà, ok. D'accord. Donc tu la remets à plat. Là, on a une bague en téflon. Alors quand tu fais ça, tu fais vraiment. On fait dans l'ordre. Propre. Hein. Et puis dans l'ordre. Hein. Et après, tu pousses ici. Donc tu as un axe inox, enfin un axe laiton. Et tu as une autre bague en téflon. Ok. Et tout le système de freinage, il est là. Oh. D'accord. Donc là, tu peux nettoyer tout ton mécanisme. Et en fait, à peine lubrifié, parce à que peine, c'est vraiment... pas graissé. Pas graissé, surtout lubrifié. Pas, surtout pas, surtout pas. Ouais. Donc là, on peut remonter tout simplement aussi vite que ça. Donc tu mets... le téflon, la bague. Toi, tu mets toutes les bagues dans l'ordre, comme ça tu n'oublies pas. On replace... Tu replaces dedans. On met la bague en téflon. La bague en téflon. On remet... Avec le pas sur le bas.
au plus large. Alors là, il y a un petit, il faut faire tourner pour trouver le cran, parce qu'on a un cran. Voilà. Là. Tu remets dans n'importe quel sens. Dans n'importe quel sens, ça c'est pas grave. On se trompe, voilà. On n'a pas à se tromper. Et là, tu revisses. Et c'est, tu vois, c'est relativement simple. C'est très simple. D'accord. Là, tu le remets sur ton la bobine sur l'axe du moulinet. Voilà. Et là, tu mets ton axe. En le crantant. Et toi, il s'est cranté tout de suite. Ouais, tout de suite. Et là, ça fonctionne parfaitement. Il est en droitier. Voilà. Donc, tu vois, c'est quand même une très belle mécanique qui est simple. Mais bon, si tu démontes et que tu nettoies, il faut être méthodique et bien regarder. Rien forcer. À jamais forcer. Après, tu as des pièces à ce niveau-là. Toi, ces pièces-là, on n'a pas besoin de les démonter. Ça, c'est les pignons en laiton. On peut brosser avec une petite brosse à dents. Oui, simplement. Tu nettoies ou un petit coup de souffleur, un petit truc. Ouais. Mais voilà, c'est tout, quoi. Ça ne sert à rien d'aller démonter. Cette pièce-là, là, on a un boulon hexagonal, enfin 6 pans là derrière, il faut vraiment qu'il soit fixe. Donc, et c'est juste serré comme il faut pour que ça tienne bien, et pas jamais trop serré non plus. D'accord ? Donc voilà ce qu'on appelle le roc et le complètement français. Donc là, ça fait travailler à peu près 8 entreprises en France. Dont un lycée où, en fait, on forme tous les nouveaux élèves là-dessus avec les machines numériques. C'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, on va aller tourner un petit bout de film sur la fabrication du moulinet. Ah oui, ça serait intéressant, ouais. Ça, oui. Donc, on va attendre, parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu le faire. Donc, on le fera certainement en octobre-novembre, quand on va relancer la prochaine série. Donc, tu vois, bon, si on livrait dans un étui prême, normalement, pour bien les protéger. Là aussi, on a les coloris. Donc, on a fait pour le moment 2 coloris, mais ça fait 4 versions. Donc, tu as le gris, la bague reste toujours orange. Le bouton de récupération de la manivelle reste toujours orange aussi. Après, tu as donc un gris avec le bobine orange. Tu as le tout orange et au contraire l'orange avec une bobine grise. Donc ça fait des ensembles un peu sympathiques. C'est-à-dire que tu peux acheter une bobine grise même si tu as un orange. Et là on est déjà en train de travailler des nouveaux coloris. Donc là je suis en train de faire un essai pour un coloris comme ça, toi. Mais je pense qu'on va en faire un peu comme pour la T56, un peu comme le moulinet 917, toi, peut-être plus soutenu. Mmh. Et on pourra toujours mixer aussi. Donc là on est pour le moment des tests d'anodisation. On a une entreprise qui fait toute l'anodisation, qui est relativement pointue. Donc, on anodise à 30 microns, donc ça fait quand même solide. Et ce qui ne veut pas dire qu'on peut le tomber par terre, hein. De toute façon, ça sera toujours marqué. Hein. Après, on a un beau petit coup de laser aussi pour toi, qui est relativement très propre. Et puis, Made in France, de Haut Rock. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un bébé et je suis vraiment très fier de cette production-là et puis de la conception. Toi, l'aventure a été longue, mais le résultat, il est là. Il est là. Et ça, c'est intéressant. Mmh. Et nous, on essaiera au maximum de fabriquer des produits en France maintenant de plus en plus. C'est vraiment là-dessus que je vais m'atteler le plus. Alors, il y a des choses qu'on ne pourra pas, hein, mais tout ce qu'on pourra, on essaiera de le faire. Oui. Donc, on a déjà pas mal de choses dans les tuyaux, mais maintenant, il faut compter, si tu veux, 1 an et demi pour sortir un produit. Hein. Oui, oui. Donc, c'est... Voilà, et tu vois, si. Ben, tu vois, quand tu prends comme ça, là. T'as vu comment c'est fluide, hein ? Oui, oui. Et là, tu peux mouliner, vas-y, tu peux tirer. Oui, je peux tirer. Voilà. Donc, ce moulinet, toi, j'ai déjà bien rodé. Donc, c'est pour ça qu'au début, il va pas le faire aussi facilement. Oui. Donc, toi, là, par exemple, tu arrêtes, je mouliner, le poisson, il part. Hop. Hop. Et je peux continuer, c'est-à-dire que même si je fais une erreur de continuer, le poisson, c'est le frein qui va décider de... Ça ne sert à rien de faire des freins trop trop forts. Hein. De toute façon, ce qui compte, c'est que ton 10, 12, 14, 16, 18, vraiment, tu le forces un peu plus sur un 18, 20 centièmes. Bien sûr. Mais c'est rare. Il vaut mieux, moi je le laisse fluide pour le 12, 12, 14, mais en vrai, très, très fluide comme ça, ça suffit. Alors, tiens, ça c'est le V2, c'est celui-là.
tient tout à son importance. Franchement, voilà.